How much were the EU's €1 billion aid and new migrant management plans, agreed on Wednesday by leaders, stem the flow of people seeking sanctuary in Europe? Is it too little too late? And how far does it address the root causes of migration, be it from Syria, Iraq, Eritrea or Afghanistan? Questions we put to Cécile Kyenge, Socialist MEP and former Italian Minister of Integration, and Marian Jean Marinescu, Romanian MEP and member of the European People's Party. First, their analysis of the decisions taken by EU leaders. Pour la première fois, on a compris la nécessité de la solidarité envers les pays qui sont voisins à la Syrie, les pays en Moyen-Orient qui en ce moment ont une charge très élevée pour l'accueil des réfugiés. L'Union européenne accueille 0,11% de sa population pour ce qui concerne les réfugiés. I think it's the first time when we are treating very seriously the cause. So the areas where from are coming the refugees. Because in my opinion, this is the only way to stop this crisis. Otherwise, we shall have the same situation as it is now. What of the four countries that voted earlier against mandatory quotas for migrants? Hungary, Slovakia, the Czech Republic and Romania. A vote, it's a vote. The majority is deciding. My country will follow this decision because my country is respecting the let's say the rules of democracy. Romania had a war regarding the mandatory quotas, but not against the participation in this effort, EU effort, to accommodate these refugees. Ben, c'est un peu triste. Hein? Il y a quatre pays qui n'ont pas, qui ont voté contrairement. Et pour la première fois, l'Europe s'est imposée avec cette décision puisque on ne peut plus attendre des mois. Il y a des gens qui sont en train de mourir, il y a des gens qui sont en train de fuir. Et je crois qu'on doit faire preuve de toute notre capacité, de tout notre humanisme. The Dublin Convention, under which the country in which a migrant arrives should administer his or her case, has been declared dead by some. What should replace it? Nous sommes déjà un pas au-delà de Dublin, donc il faudrait normalement qu'on puisse commencer la révision du règlement de Dublin pour aller vers mutuelle reconnaissance de l'asile, c'est-à-dire l'asile qui doit être reconnu dans tous les pays et une politique d'asile commune au niveau de l'Europe. Une personne qui est reconnue en Italie, en Espagne doit avoir aussi doit être reconnue aussi comme réfugié dans un autre pays. I think that we have to find a solution, a compromise, and to do all this, let's say, activity all over Europe. Because could be situations you see right now that some member states that have external borders are not able to deal with a big number of refugees. How should Europe contribute to peace in Syria in the hope of resolving the migration crisis at source? C'est pas de faire la guerre là où les gens sont déjà, là où les pays sont déjà en conflit, mais c'est de chercher une solution diplomatique, une solution qui doit aussi ouvrir vers le dialogue avec tous les pays du Moyen-Orient pour essayer de trouver une solution et à la Syrie et trouver une stratégie commune internationale et contre le terrorisme. I think that the resolution of United Nations would be very good. I think that they have to discuss, to deal with Russia, even if it's, I know that it's very, very difficult. We need a United Nations resolution in order to intervene in Syria, first against the Islamic State, and then to stabilize the situation in Libya, in Syria. In Libya, I think that the best would be to the same thing, to stop with different, again with a United Nations resolution, to stop the boats on the shore.